Bonjour et bonsoir, je suis Link Hero Phare. Et aujourd'hui, c'est reparti. Enfin, je dis à chaque fois je dis et aujourd'hui nous sommes sur Zelda Waker. Eh oui, comme tous les épisodes. Bref, bien sûr que nous sommes sur Zelda Wind Waker. Donc, Cocorio, exactement. Donc, encore une fois, je réfléchis, chargement en cours, comme sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Parce que oui, j'ai regardé une petite vidéo juste d'ailleurs en délire sur le live. Oui, sur le précédent épisode, nous étions sous l'eau. J'allais dire sous terre, mais ça veut rien dire. Parce que vu qu'il y a que de la mer ici, on était sous l'eau, mais sous l'eau. Pas genre sous l'eau tu nages, genre sous l'eau tu marches et tu respires comme dans l'air. C'était sous l'eau dans une espèce d'endroit assez étrange de Hyrule, un Hyrule enterré sous l'eau. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Descendre, naviguer, je sais pas. Roi Lion. Roi Lion. Lion rouge. Eh bien, entrevue dans la forteresse maudite. Oui, la forteresse maudite pour aller délivrer ta sœur. Oui. Oui, c'est vrai. Alors du coup, c'est où la forteresse maudite? C'est tout là-bas, là? C'est ça? C'est écrit... Ouais, forteresse maudite, c'est vrai. Du coup, bah, diriger le vent vers nord-ouest. Hop. Hop. Je sais où y aller. Je sais où y aller, pas tout de suite à la forteresse maudite, mais plutôt. Je crois que c'est près du mercantile. Là. En quelque sorte. Je crois que c'est entre là et. Ou alors c'est là. Je crois que c'est ici. Donc à sud-est. À sud-est. Au sud-est plutôt. Ah, je me suis rendu. Je me suis retenu à mort pour éviter d'exploser mon micro. Donc, j'ai éternué, mais heureusement que je m'en retiens. Je sais pas comme les cons qui éternuent comme des porcs dans les micros, puis après, quand t'as le mec dans YouTube qui est en mode "What you?" puis il gueule à fond dans les oreilles. Puis toi, vu que des viewers ont un casque comme moi, comme ça dans les oreilles. Ils sont là comme ça en mode. Je n'entends plus rien. Et voilà. Du coup, c'est pour éviter que les mecs qui fassent quoi, qui fassent ça quoi. Qui sont en mode hyper étonné du genre en mode. qui sont en mode. Je suis sourd. Parce que des fois, il y en a qui sont violents quand même. Alors, je sais que c'était par là. Je me demande depuis un moment, lutin, tu n'as pas chaud avec cette tenue verte? Oh, tout bail. La mienne est tellement serrée que je transpire tout le temps. Ah, mais t'es dégueulasse, lutin. Enfin, lutin, tingle. J'aimerais bien avoir un peu plus ample. Il n'est pas question de me faire aller dans un endroit où il fait trop chaud. D'ici se trouve une île avec une statue très, très magnifique, ouais, ça on s'en fout. Le magasin de Terry! Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial chez le marchand? Ouais, alors moi je suis sympa quoi. Est-ce que c'est pour arracher les oreilles à tout le monde? Ouais, y a pas grand chose. Ouais, vraiment pas grand chose. Bon bah tant pis, hein, merci. Il fait une tête déçue quoi. Regarde-moi ça quoi, le pauvre. J'arrive. Ouais. Salut mec, comment ça va? Et là je me casse. Au revoir. Mais là il regarde ses pieds en mode. Ouais, je suis dégoûté. Eh bah non, je suis là. Bah bon, en fait je me casse. Et en fait j'ai besoin. Non, en fait rien, non, rien, j'ai rien dit. Pauvre Terry quoi. Ouh. Là j'ai bien atterri.
Mais du coup, je vois des tornades, mais il est où le dieu là? Où est-ce qu'il est dieu? Il est pas juste au-dessus? Parce que je veux le voir. Hein. Sa magie, je la veux. Là, j'ai l'arc. Oh! C'est vrai que Terry, je me demande s'il se fait pas chier quoi. Puis en plus, il a un haut-parleur au-dessus. Pourquoi il n'y a pas une petite musique qui jette dessus quoi? Une petite musique sympatoche. Genre que tu l'entends. Une petite musique toute mignonne quoi. Ces tornades là me fait bien délirer des fois ces tornades. Si j'arrive à aller dedans. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Quand j'y vais dessus, ça fait changer de direction. Voilà. Et en mode comme ça. Enfin bref. Allez, ça c'est bien fait ça, les petites mouettes là qui arrivent comme ça. En mode je vous suis. Comment ça va, camarade? Du coup, ça fait l'animation, c'est beau. Waouh! Oui, Walker, je trouve qu'il reste mais tellement beau quand même. Hugo Big, je donne ce titre. Merci, de rien. Oui, parce que je dis ça d'avance parce que. Voilà quoi. Les illusions de Zelda. C'est tellement ça quoi. Alors là, d'accord, là, c'est bon, j'ai suffisamment d'objets et d'armes pour pouvoir taper des trucs que je veux, mais que je vois ça, là, voilà quoi. D'ailleurs, ces trucs-là sont super importants. Je vais voir le poisson là-bas. Et moi, ça quoi. Tu n'as pas chaud avec cette tenue verte? Bah non, quand je m'approche de ça, tout va bien. Où est-ce qu'il est le... Ah, il est là-bas. Poisson! Ça se perd bien. Tac. Tac. Bon, je sais que Lutin... Enfin, Lutin... Pourquoi je l'appelle Lutin, lui? C'est Tingle. C'est lui qui m'appelle Lutin, l'enfoiré. Abonne-toi à sa chaîne. Bah je pense que c'est déjà fait Hugo Pig depuis un mois. Je crois que c'est ça ouais. Salut petit gars. Alors quand il fait cette gueule là, moi je lui fais parler comme ça. Je t'écoute. Je suppose que tu veux ce que je complète ta carte, c'est que je te la donne des infos sur les orbiens. Alors t'es plus ta carte. Non, pas une minute, hein. Depuis... Ah non, t'as dit pas une minute. T'as pas dit... Enfin, t'as pas dit une minute, j'ai cru voir. Mais bon. J'entendais dire qu'il y avait une magnifique trésor à l'intérieur de cette île, fumante, qu'on appelle la montagne du feu. Mais si on veut accoster sur l'île pour aller chercher ce trésor, on se transforme immédiatement en boule de feu. Ou plutôt se faire cuire comme un steak. Il y a une petite île. Ah, il y a une petite île au nord. Un au nord. D'accord. Et quatre à l'ouest, ici, sur laquelle on peut obtenir le pouvoir de geler n'importe quoi. Le pouvoir de geler. Quatre à l'ouest. Un au nord, 4 à l'ouest. Un au nord, 4 à l'ouest. Tu devrais aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi à manger. Comme moi j'ai l'estomac dans les talons et je sais pas très bien. Alors, il avait dit un au nord et 4 à l'ouest. Ici. Donc c'est ici. Alors du coup, oh.
Ok, Hugo Pig. Voilà. Faut que je me dirige bien quand même. On prépare là. Impeccable. Hop, petite cinématique. Plus, plus. Plus, plus, écho plus. C'est le mardi Tingle, j'avais même pas fait gaffe. J'espère c'est pas la... J'espère que j'ai pas déjà été là-bas. À moi qui parle d'autre, non? J'ai été ici. Faut pas de ma gueule, Tingle. Mais là, j'ai sorti une fée. J'ai déjà été ici. Ouais. D'abord, je fais mes. Mais tais-toi! Laisse-moi grimper dans ton bateau, sans ton dos. En mode Yoshi! Yoshi! C'est vrai que j'y pense aussi, Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, j'y jouerai cet émulateur, j'y jouerai, ou ouais, peut-être que j'aurai une capture gaming aussi, de spécial rétro plus tard, vers la fin d'année. J'y jouerai à Super Mario Sunshine quand ce serait bientôt la sortie de ce nouveau Mario. Du nouveau Mario Adventure sur Switch. Plus par là. Parce que vu que c'est plus par là, il sera peut-être temps que je change un peu le vent pour pouvoir naviguer plus vite. Par exemple, ce détail que Link fait comme ça, et bah ce petit moment là, bah c'était retiré. Mais retour! Ce petit moment un petit peu lent comme ça, c'était retiré sur Zelda Wind Waker version Wii U. Quand tu fais la magie là, putain, ça montre direct la direction du vent. Prenez ici, se trouve une île avec une jolie statue. Ah, ça va. Ouais, l'île avec la jolie statue. Allez. Oh shit. Il est là le con. Il est ici, le dieu en colère. Il y a tant de choses à faire dans Wind Waker. Il y a tant de choses à faire. Faut pas être déçu sur ma vidéo. Il est très en colère. Il est très gros. Moi ça. Il est hyper gros. Bon, il était pas très dur non plus. C'est bien le dieu grenu quoi. Mais moi ça, il est énorme.
Eh bien, tu es habile, toi, dis-moi. Et là, il rétrécit. Jusqu'ici. Maintenant, vu qu'il a rétréci, il faut le changer de voix. Jusqu'ici, personne n'avait résisté à ma force. J'ai vu que tu avais contrôlé le vent. Alors peux-tu utiliser ceci? Bas, droite, gauche, haut. Bas, droite, gauche, haut. Oh. Vous avez appris le requiem de la tornade. Ah bravo! Mes tornades auront plaisir à être au service d'un maître du vent tel que toi. Utilise ces tornades quand tu voudrais traverser les mers et la vitesse du vent. Allez, moi je rentre à la maison, un de ces jours. Un nuage qui apparaît. Du coup. Je pourrais me TP genre là, à côté. Et voilà. Oui. Les boîtes qui sont là, qui sont en mode figé comme ça. Petit défaut du jeu. Tu sais comment mettre des gens en follow en privé. Mettre des gens en follow en privé. Oula, je ne sais pas trop. Sur Twitch? Parce que sur Twitch, tu peux demander en ami des personnes. Merde, oui, tac. Oula. Sur Twitter. En privé. Ah ça je sais pas. Sur Twitter je sais pas. Vraiment je sais pas. Olé. Haha. C'est vrai que ce requin il va commencer à me faire chier. Cette déloc. J'ai pas le temps de tirer dedans. Regarde-moi ça. Laisse-moi tranquille. Et Tingle, je crois que j'ai capté plus son signal. Tingle, tu m'entends? Je te capte plus. Allô? J'espère qu'il va débugger. Là, il a l'air bugué, regarde mon vent, il tourne au nord, et alors que là, sur le Game Boy, c'est écrit au sud. Alors, c'est ici une île importante? Tu vois le poisson, dis-moi tout. Dis-moi tout le poisson. Tac. Attends, ça se trouve moi en cherchant je vais trouver. Hein. Comment tu sais comment mettre. Comment mettre des gens en follow en privé? On peut mettre des gens en follow en privé. Bon déjà j'ai plein de conneries. Tiens, tu veux du 1080? La voilà. Elle coûte combien? Hashtag publicité. Ouh! Il coûte plus cher que la Xbox One. Donc, bref, Twitter.
C'est vrai, genre par exemple. C'est vrai, par exemple, je connais un pote, moi. J'ai 31 abonnés et j'ai un 32 abonnements. Attends, je vais mettre à côté. Pouf, pouf, pouf. Qui est mon pote? Si le programme, il faut plus rien. Merde. Leur skin, toi, on voit notre pote à moi leur skin, par exemple. Ah, il est là. Donc il me suit. Par exemple, je sais pas, je le clique dessus. Tweeter à ce pote. Envoyer un message privé. Photo et vidéo. Très franchement, j'en sais rien. Tu sais, abonner à. Il s'abonne. Il s'abonne à 75 personnes. Par contre, il y a 99 personnes abonnées, quoi. Pff, la chance, du coup. Très franchement, j'ai aucune. J'ai. Peut-être ça. Votre action sur cet utilisateur. Tweeter, envoyer un message privé, ajouter ou retirer de votre liste. Masquer, bloquer, signaler, désactiver les retweets, activer les notifications sur mobile, insérer ce profil. Peut-être ça, hein, insérer ce profil. Je clique dessus, insérer ce profil. Display option. Oula, là tout est en anglais, j'en sais rien. Ouais. Ça se trouve, c'est ça. Après, on peut cliquer sur publish. Bref. Je sais pas si c'est vraiment ça après. Du coup, c'est vrai que moi j'ai des notifications. C'est la personne qui me dit bonjour. Qui dit bonjour. Après, trois autres personnes qui m'ont suivi. Un mec qui me dit ça quoi, sur mon tweet. Bonjour. Ah bah c'est toi qui. C'est toi qui go. Ah bah oui, je t'ai pas vu, je t'ai même pas fait gaffe. Je t'ai pas fait gaffe. Attends. Je te réponds. Oula, j'ai fait écrire un bizarre. Bonjour. Non, plutôt. Plutôt. Bonsoir. À chaque fois je clique sans entrer, mais je le fais mal. Tac. Voilà, tout est beau, tout est propre. Voilà comment on prend son temps quand on fait des messages. Et en plus, ça m'a pris 5 secondes. Goodbye YouTube. Bon, enfin. Alors, salut petit gars. Je t'écoute. Je suppose que tu veux que je te complète un chien à Tinkershadows à voix sur les environs de la RDP. C'est vrai que le temps passe vite là. Quand la lune est en forme de croissant ouvert vers le haut, méfie-toi. Je ne peux pas te dire que ça. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je te répète, donne-moi à manger et que moi, quand j'ai l'estomac dans les talons, j'ai la mémoire qui flanche à Dieu. Goodbye YouTube. Pourquoi? Je coupe pas la vidéo tout de suite, hein. Enfin, pas vraiment tout de suite. Peut-être d'ici dans pas longtemps, je vais couper, mais pas tout de suite encore. Pas tout de suite. Alors. Apparemment, on m'a dit que c'était là.
C'est vrai, lui, je m'en souviens. Lui, ce mec-là, c'est... Regarde, il dort debout. Fermé, tard. Revenez demain, si vous voulez. En plus, il sourit et tout, quoi. Des fois, il fait une drôle de tête. Il dort debout, quoi. Cette personne, c'est David Cage. Hein. Bah c'est tout hein. Je sais, bah c'est pas là là. Quand il dit 4 fois. Parce que il faut dire que j'étais là. Il faut dire que j'étais là. Il dit il faut une fois en haut et 4 fois à gauche. Du coup forcément c'est là. C'est forcément là. Moi qui veux compter comme ça. Genre. Oui mais non, déjà une. Je crois que c'est comme ça. Ah oui, je crois que c'est. En fait peut-être il veut compter comme ça. Parce qu'en fait il veut compter une fois là, comme ça. Genre tu fais une fois en haut, donc c'est tout. Après tu fais une, deux, trois, quatre. Ça se trouve c'est là. Ça se trouve c'est là. Complètement. Ça se trouve c'est comme ça qu'il faut compter. Ah, peut-être que ça se trouve Kigo est... Il dit goodbye YouTube et ça se trouve je crois qu'il est peut-être parti. T'es parti Kigo? Il est parti. Je vois les trucs qui se cassent la gueule. Et les trucs qui tombent. C'est ça. À mon avis, c'est ça. Toi. Salut, petit gars. Bla 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 bla. J'ai plus de coca, bon. J'ai entendu dire qu'il y avait dans cette île une fée belle et un mourir. Oui. Mais personne ne l'a jamais vue. Si tu veux la voir, laisse-moi prendre dans une tornade pour accéder à l'intérieur de l'île pour les airs. C'est tout pour les infos. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai, cette île. Ça, je vais voir vite fait ici. Ouais, lui aussi. Lui aussi, il est bas. Oh! Oh! Vas-y, montre-toi! Plus Link, c'est bien s'en servir d'un arc, je crois. C'est comme ça quand on sert de son arc? Il est sûr de lui, là, comme ça? Si. Après c'est un personnage qui cartoon aussi. Hein. Son arc est très petit en plus. Son arc qui fait très petit et puis en plus c'est les bras courts. Du coup voilà. Bonjour ami à l'épée, comment vas-tu? Hein? Les arbres de la forêt que les autres Kokorogo ont plantés sont donc morts. Cela ne m'étonne pas, regarde celui que j'ai planté. J'ai gardé l'espoir jusqu'à présent, mais je suis désormais que tout cela est de l'œuvre de Ganon. Seule l'eau de la forêt permettra à nos arbres de ne pas mourir. Ami à l'épée, pourrais-tu aller chercher de l'eau dans l'île aux forêts
Et revenir à arroser cet arbre de la forêt. Je t'en supplie. Petit Mojo. Enfin, non, t'es pas un Mojo, mais pauvre petit truc. Putain, Lou, quoi. Ouais. Non, normalement, en vrai, si Lou elle se balance comme ça, il devrait avoir tellement de vent. Normalement, le vent il devrait faire. En gros, aussi, genre violent, quoi. Hop. Jeune homme qui sait contrôler le vent! Tu as donc découvert cet endroit! Je suis la reine des fées, j'attendais ta venue! Mais je ne peux pas te rencontrer pour le moment. Tu as surmonté de nombreuses épreuves pour protéger un être aimé. Je le sais. Mais en ce monde, on peut. Mais. Et en ce monde, une autre personne que tu dois à tout prix protéger. Reviens ici quand tu auras rencontré cette autre personne et que tu auras surmonté bien d'autres épreuves. Je montrerai alors à toi sous moi son apparence véritable. Ok. Ok. Merde. En fait, du coup, cet endroit me sert à rien, en fait. Là, il y a une petite... effet d'eau, comme ça, là. D'accord, bah je sais pas, en fait. Et cette autre personne, merde, c'est laquelle qu'il faut voir? Parce que je sais pas trop, là. Je suis bien baisé. Bon. Alors, oh bah ok, oh bah ok, direction la forteresse maudite. Sur l'île aux poissons, me semble. Là, je fais que de bailler, hein. Je me sens mal. Je me sens très mal. Jingle, t'es vivant. Putain, mais t'es vivant. J'ai cru que t'étais mort. Mon Dieu, j'ai cru que t'étais mort, Jingle. Moi, j'ai cru que ça y est, tu marchais plus, t'as fait une crise cardiaque. Voilà quoi. Tu crois que j'ai toujours quelque chose à dire? Bah oui, là, par exemple, là aujourd'hui, t'as dit quelque chose. Tac. Ah, moi aussi, il m'arrive d'ignorer des choses, tu sais. Tout comme moi. Des fois, moi, j'annule beaucoup. Et midi, quelle longue journée! Ça suffit.
tu te calmes, Tingle, tu te calmes. Et je baille encore. Oh. Bah, ça suffit. L'île maudite. Tu es près de l'île de la face 4. Quoi? L'île de la fée là-bas, j'irai plus tard. L'île de la face 4. L'île de la face 4. Ah ça? Non. Ça c'est l'île de la fée que j'ai vue. Peut-être qu'il parlait de ça là-bas. Ah non, c'est ça! Cette île là! Yeah! Cassez pas de tout, s'il vous plaît! C'est vrai que cette île là, il obtient des trésors très spéciaux. Mais j'irai plus tard! Ah! Je l'ai pas vu! Non! C'est pas vrai! Un homme à mer! Un homme à la mer! Blah, blah. Putain, l'eau était salée! L'eau est extrêmement salée! La la la. Bah y'a, c'est chiant! Oh, tu es près de la forteresse maudite! C'est bon, le soleil s'est cassé la gueule en mode Ocarina of Time. Brr, quel endroit effrayant! En fait, est-ce que tu as encore mal à l'endroit où tu étais blessé en tapant contre le mur? Personne ne me voit, je suis infiltré. Ah non, ils m'ont grillé depuis longtemps, ok. Merde, pourquoi je tombe dans l'eau? Bon, il faut des bombes. Merde. Ouais, ça, comment je vise comme un pro. Du premier coup. C'est qui le plus fort? Ouh. Ganon sait sans doute déjà que nous sommes... Non, Ganon sait sans doute déjà que nous sommes infiltrés ici. Mais tu as Excalibur. Utilise cette épée contre le monstre et va délivrer ta sœur. N'ayez aucune crainte. Pas de problème. Et du coup... Enfin... J'arrête la vidéo ici. Et je vous dis... A plus sur une prochaine vidéo, sur une prochaine fois, sur un prochain jour, etc. etc. Vous connaissez l'histoire. Et du coup, c'était Link Hero Phare. Ciao.